L'Afrique et l'Europe, deux partenaires qui se dirigent vers de nouveaux paradigmes pour mieux faire face aux défis actuels. À ce sixième sommet Union européenne-Union africaine, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est accueilli par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Charles Michel, président du Conseil européen, et par son homologue français, Emmanuel Macron, dont le pays assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est un lieu de rencontre où les chefs de l'État ont la possibilité cette fois-ci de poser les vrais problèmes qui existent entre l'Union européenne et principalement l'Union africaine. Pour le Gabon, il y a un certain nombre de tables rondes qui sont organisées, notamment la table ronde sur le climat et sur la sécurité. Et le Gabon était leader incontestable sur le plan africain. Reconnu à l'échelle internationale pour son implication pour les questions environnementales, le chef de l'État a co-présidé une table ronde sur les énergies renouvelables en Afrique, un continent qui dispose d'un potentiel solaire et éolien important. Aux côtés de son homologue du Sénégal, par ailleurs président de l'Union africaine, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et ses pairs du continent sont déterminés à rééquilibrer les liens avec les pays de l'Europe sur des sujets aussi variés que l'immigration, la sécurité, l'économie, l'environnement et bien d'autres. Au cœur des décisions qui impliquent l'avenir du continent, le chef de l'État n'est pas à sa première participation.